Bah salut à tous les amis. Bonjour. Bienvenue en direct de San Francisco avec une vue pas trop mal derrière nous. Il s'agit du Golden Gate, je suis sûr que vous le connaissez. Il fait beau, il fait chaud et on profite de cette occasion pour vous lancer un petit message, une petite picousse de rappel pour certains concernant notre projet Chasing Tomorrow. On a conscience que ça fait quelques mois qu'on n'a rien posté en termes d'épisodes. Pour ceux qui nous ont suivis un petit peu, on a eu une mésaventure en Équateur. Puisqu'on s'est fait voler, on va dire, nos données. Mais on n'a pas chômé ces derniers mois, puisqu'on a traversé toute l'Amérique latine et ça fait maintenant pratiquement un mois qu'on est aux États-Unis. Donc actuellement, on est sur la préparation de 3 épisodes. Ouais. Épisode numéro 5 en Amérique du Sud, épisode numéro 6 et 7 aux États-Unis dans différents États. Et pour des sujets vraiment passionnants avec des gens passionnants. On est super impatients de pouvoir vous les montrer, honnêtement. On est sur l'editing, ça va venir, mais c'est passé énormément de choses passionnantes. On a rencontré énormément de communautés, on a été dans la jungle amazonienne, on a été dans les forêts de nuages de Costa Rica, et on a énormément de matériel. Et on est en plein dessus maintenant, là, donc on a hâte de vous montrer un petit peu ce 5e épisode qui est en pleine construction. Donc on vous oublie pas, l'essentiel je pense que c'est que vous le sachiez quand même, on vous oublie pas. En attendant, merci du fond du cœur pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début ou qui sont venus se greffer un peu plus tard dans notre aventure. Merci du fond du cœur pour ceux qui ont généreusement donné sur notre plateforme de crowdfunding. Sans vous, on n'aurait jamais pu être ici. Notre crowdfunding est toujours en ligne. Si vous voulez participer et nous aider, c'est quand vous voulez, n'importe quelle somme est la bienvenue. Et on a encore quelques mois devant nous et il faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout parce qu'on a des projets encore très différents de ceux qu'on a abordés jusqu'ici, des gens qui nous attendent, des communautés qui nous attendent. Et voilà, c'est plutôt excitant tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à nous suivre, hein, que ce soit sur Facebook ou Instagram, Chasing Tomorrow, Chasing TMW. Bah, on compte sur vous pour partager également nos épisodes et, et voilà, toucher le plus grand nombre parce que ces projets-là, on est tous plus ou moins concernés, n'empêche. Voilà, petit aperçu en musique de ce qu'on a fait durant ces 3 derniers mois. On espère que ça vous plaira. Ciao, ciao les amis. Allez, on se casse. On se casse. Moi, je vais par là en crabe. Hop. Pedro Bermeo Guarderas, soy activista por los derechos de los animales y la naturaleza. ¿Cuál es esto, Donald Trump? ¡Se subió! Su visita para que nosotros podamos. Ayude para nuestras familias guaraníes. Si quieren apoyar, bienvenidos en nuestro territorio. Para defender los derechos de nuestros. Is doing agroforestry. There's a need for millions of projects like that. We're in Lanas in Puriscal in Costa Rica, and this used to be a cattle field that we've been reclaiming for the forest. Je vous présente Julie. Bonjour. On s'en va nettoyer la plage qui s'appelle Cocal. Julie nous expliquait que les gens ici, en fait, ils enterrent carrément leurs déchets. So a cloud forest, it's basically like a high elevation rainforest with its own set of characteristics. So those azure-headed trees. You wake up in the morning and poof, all the trees are gone, all the plants are gone. There's nothing on the earth that can photosynthesize. There's nothing on the earth that can provide primary energy. Zero Waste is a lifestyle that aims to send nothing to the landfill. I'm Anne-Marie Bonneau and I am the Zero Waste Chef. I've been developing for 45 years a building that we call the Earthship that is a vessel to take care of people on the planet without hurting the planet. Buildings at this point need to be vessels that encounter the phenomena of the planet to run them.